Voilà. Bonsoir, mesdames. Donc, je vous disais, ce soir, nous allons... Et le pauvre, il s'est bien dit la porte pour le soir où ça brûle, ça tombe sur lui. On le connaît, bien sûr. 2 millions de disques vendus avec un seul titre. À l'époque, c'est... Si je vous fais... À la pêche, au moule, 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 je ne veux plus. Eh ben voilà. Alors, il était parti, Nestor, avec son papa. Ils sont partis pendant quelques années s'installer dans un coin merveilleux du côté de la Polynésie. Et il est évident qu'ils avaient envie de froid au bout de toutes ces années. Alors ils sont revenus avec nous sur les bateaux pour aller dans le nord, spécialement pour le magazine Viva, parce qu'ils m'ont dit ça, Viva, on les connaît. Ça bouge pas, ils s'en foutent, ils sont toujours là, bon pied, bon oeil, au spectacle, au bingo, ils sont partout. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on le retrouve plus en forme que jamais. Voici madame, monsieur Nestor et surtout monsieur David Michel. Qu'est-ce qui se passe? J'ai n'aie pas peur, personne ne va te manger. Il mange bien les esquimaux. Ah bon? Oui. Bon, ils mangent les esquimaux. Oui, en Norvège, ils ont mangé les esquimaux. Ils ont mangé tous les esquimaux en Norvège. Tu l'avais quand tu es revenu. Ne t'inquiète pas, leurs esquimaux, ça n'a rien à voir avec toi comme pingouin. Oui, mais ils n'ont rien envie de pingouin. Mais ils n'ont pas envie de pingouin. On n'avait pas envie de pingouin. Non! Il y en a qui ont envie de pingouin! Non, t'inquiète pas, ils n'ont pas envie de manger du pingouin, hein, pas peur. Hein. Ils n'ont pas envie de pingouin. Ils n'ont pas envie de pingouin? Non. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Nous sommes là pour distraire nos amis. Ah, ce sont nos amis? Oui, ce sont nos amis. Ils vont nous prêter de l'argent? Non. Alors on s'en va. Non, vas-y. Non, on s'en va. Où vas-tu? Je vais arriver à l'hôpital. Je disais donc, Nestor est un jeune pingouin, comme vous avez pu remarquer. Il parle, il chante. Ah oui, qu'est-ce que tu fais dans tout ça? Qu'est-ce que je fais? Oui. Eh bien, je suis ventriloque. Ah, qu'est-ce que c'est qu'un ventriloque? Non, un ventriloque. Un ventriloque? Non, un ventriloque. Un ventriloque? Non, mais un ventriloque. Un ventriloque, c'est un artiste. Qu'est-ce que tu regardes? Un artiste. Un artiste qui fait vivre une marionnette. Alors moi aussi je suis ventriloque. Pourquoi? C'est moi, je suis une marionnette qui fait vivre un artiste. Commence par dire bonsoir. Bonsoir toi. Non, à tout le monde. Bonsoir. À tout le monde. Bonsoir toi. À tout le monde en général. Ah, bonsoir moi, général. Bonsoir papa, bonsoir mademoiselle, bonsoir messieurs. Et pourquoi tu parles doucement? Pourquoi les réveiller? Mais ils dorment pas. Plus fort. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bon accueil. Mais non, pas encore. Bien, et bien exceptionnellement, Nestor va pouvoir vous attendre. Et... Attends, 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 attends. Je disais donc, Nestor va vous attendre. Attends, j'ai indiqué. Et alors? Et alors je drague. Vous habitez chez vos parents? Nestor, la demoiselle est sûrement accompagnée. Rien, je suis pas jaloux. Bon, je vous disais donc... Ta-la-côte, cocotte. Cocotte, ta-la-côte. Ta-la-côte, cocotte. Surtout quand tu perds, quand tu manges... Ça finit en part. Tu dois dire quand tu manges des biscottes. Non, c'est déjà fait. C'est déjà fait, ça suffit. Bon, je disais donc, Nestor va vous interpréter. Ah, Nestor, quand on drague, on y met un petit peu de talent. Oui, quel genre? Bah, je sais pas, tu veux peut-être faire ta cour en chantant. Ah, d'accord. Bonjour, mademoiselle Pingouin. C'est moi, Nestor Vaucalin.
Je peux quand même expliquer ce qui se passe. Quand tu dis rien, tu me lances. Si tu te mets dessus de toi, ni guano, ni guana. Ça suffit. J'ai dit que je ne voulais plus t'entendre. D'accord. J'ai dit plus t'entendre. Si ça continue, je vais te mettre à la porte. D'accord. Comment ça, je ne peux pas? Mais non, je suis syndiqué. Tu es syndiqué? Et où ça? À la SPA. Non, la SPA, c'est pas un syndicat, c'est une société protectrice des animaux. Non, c'est le syndicat des cringouins anarchistes. Parce que tu es anarchiste? Oui. Tu es contestataire? Oui. Et qu'est-ce que tu contestes? Eh bien, comme les autres. C'est-à-dire? Comme les autres. J'en sais rien. Ah, y'a rien, tu m'as mis que dans l'œil! Tu m'as mis dans l'œil? Oui, là, j'ai oublié d'aller chez le yoliste. On ne dit pas chez le yoliste, on dit chez l'oculiste. Non, c'est à l'œil que je parle. C'est supportable, tu vas interpréter une chanson maintenant. Je chante? Oui, tu chantes. D'accord. Alors, je chante pour toi. Et toi, tu roules pour moi. Qu'est-ce que je chante? Tu vas nous chanter. Si tu touches à mon oiseau. Je vais toujours courir. Allez, fais un effort, s'il te plaît. D'accord. Si tu touches à mon oiseau, n'oublie pas d'être gentil. Car tu sais que mon oiseau... Lâche. Si tu touches à... Quoi? C'est pas dit? Attends, Yannick. J'ai perdu mon oiseau. T'as pas vu quand c'est mon oiseau? Chante. Sans oiseau? Oui, sans oiseau. Ça va être fou. Non, ça va pas être fou, allez. Ça arrive, là. Qu'est-ce qui se passe? Attends, il y en a un qui cherche des histoires. Qu'est-ce que ça dit? Regarde, lâche-moi. Pas le crack, pas le chocotte. Lâche-moi, j'ai montré, moi, si je suis manchot. Vous êtes virant. Je t'attends la sortie. Oh, c'est d'ailleurs. Oui, bon, ça tombe, hein. Voilà, c'est tout à la gueule. Ah, ça suffit. Faites chauffer la colle. Écoute, tu chantes. D'accord. Si tu te souviens, mon oiseau, la vie garde en rancune. Car si tu as tout aussi tôt, il te rend la... Tiens, écoute, c'est pas compliqué, puisqu'il fait froid, on est en Norvège, je vais t'amener faire un petit tour dans le désert. Et pour aller dans le désert, eh bien, il va te falloir, ça va nous réchauffer un peu, il va te falloir une paire de lunettes. D'accord. Alors, c'est bon. Bon. Voilà. Ah. Bien. Pour aller dans le désert. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi, tu travailles. Pour aller dans le désert, va aussi te falloir, bien sûr, un chat d'or. Ah non, ça c'est pour aller à l'école. Ah, non, c'est pas pour aller à l'école, c'est pour protéger du soleil, tu vois, comme ceci. Ah. Oh. Je suis un gros mico. Un gros nigo. Non, un gros mico. Un esquimau? Non, un gros mico! Ben, je comprends pas. Hein? Ah oui, t'as raison. Incognito! Incognito? Bon, alors tu es habillé en chèque? Non. Alors en émir? Non, en sultan. En sultan? Quelle différence entre un émir et un sultan? Il y en a un qui compte et l'autre qui encaisse. Et qu'est-ce que tu fais à longueur de journée dans le désert? Je ricane toujours. Bon, dis-nous bonjour en arabe. Shalom. Non, en arabe. Ah oui, salam alaikum. Salam alaikum, très bien. Et qu'est-ce que tu dois répondre? Wa alaikum salam. Wa alaikum salam, oh. Shukran. Ma shukran wazir. Abula, la gueule, t'as reçu ya. Attends, c'est un cousin. Tu sais parler arabe? Oui. Alors cite-nous 10 mots arabes. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Et ce
Ce sont des chiffres arabes. C'est kif-kif? Non, c'est pas kif-kif. Est-ce que tu connais une monnaie arabe? Oui. Bien, alors tu vas nous compter, admettons, 1 000 000 francs marocains. D'accord, alors attends. 1 dirham, 2 dirhams, 3 dirhams, 5 dirhams, 6 dirhams, 2 dirhams, 2 dirhams. Bon, voyons si t'as travaillé correctement à l'école. L'invasion des Arabes, c'était en... En? Oui, Jean Martel arrêta des Arabes à Poitiers. L'invasion des Arabes, c'était en... En 404. Oui, t'as raison, il y en a eu en 403 aussi, oui. Et 732, ça te dit rien? C'est une nouvelle Peugeot? Non, c'est pas une nouvelle Peugeot, oh. Tu es venu à Paris, enfin tu es venu en Norvège, comment? En courant. En courant? Oui. Ça se voit, hein? Oui. Bon, écoute, tiens, j'ai une surprise pour toi. Oui. Oui. Une caravane est bloquée dans le désert. Alors? Et alors, que fais-tu? Je téléphone à Guy Darbois. Tu téléphones à Guy Darbois? Oui. Excuse-moi, mais je ne comprends pas. Bah si, parce que Guy Darbois est la caravane grâce. T'aurais mieux fait de faire appel à un dromadaire. Un dromadaire? Bah oui, un dromadaire, c'est ce que c'est qu'un dromadaire? Oui. Alors qu'est-ce qu'un dromadaire? Un dromadaire, c'est un chameau qui bosse à mi-temps. Un chameau qui bosse à mi-temps? Toi aussi, t'es dromadaire? Rassurez-vous, il voit rien avec ses lunettes. Mais si, je gâte le mirage. Tu gâtes le mirage? Mais il n'y a plus de mirage dans le désert. Non, mais il y en aura dans le désert. Tu vois rien? Si. Tiens, réponds la demoiselle, elle vient te faire coucou. Oh. Bien oui. Coucou. Ah non, 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 s'il te plaît. Coucou en arabe. Ah d'accord. Couscous. Tiens, le folklore arabe. Oui. Alors interprète-nous une chanson arabe. D'accord. La dit Nicole et le couscous, la dit Nicole et le couscous. La dit Nicole. Olé. Non. Ça n'a rien d'arabe. Non. Non. Tu en connais une autre? Oui. Bien voilà. La dinari, le couscous, la dinari, le couscous, la dinari. Olé. Écoute, en plus, olé, c'est espagnol. Alors, olé. Écoute, c'est simple, il suffirait de parler d'Allah. Allah? Oui, Allah. D'accord. Allah, gloire, God. Non, non, Allah. Ah, d'accord. Alors, Gosti, on aime bien les grands coquins. Ils sont si drôles et si gentils. On aime bien tous les grands coquins. Où sont alors Gosti? Oui! Tu t'es vraiment pas cassé la tête, hein, excuse-moi. Mais tes amis et moi-même, nous préférons lorsque tu chantes du rock and roll. Alors, tu vas nous faire le plaisir de changer de look et de nous interpréter bien. Un morceau rock. Alors, il y a des rockers? Est-ce qu'il y a des rockers? Oui. Do you like rock and roll? Oui, tiens, redresse ta banane. Oui, toi aussi. Alors, accueille-moi, d'accord? Ben oui, n'aie pas peur, ils vont chanter après toi. C'est simple, vous répétez tout ce qu'il dit. Allez, vas-y. On ira danser. Le rock and roll. Oui, on recommence. On ira danser. Le rock and roll. Voilà, merci beaucoup. Bien. Je pense qu'un bon coup de brosse, ça ferait du grand bien. Ah oui, oui, j'adore, oui, encore. D'ailleurs. Dans le coup. Oh là là, allez. T'en veux? Attends, il en veut. Et toi aussi, t'as des locataires. Bon.
Et toi, t'as pas de locataire? Non, mais il y en a pas qui sont propriétaires. Enfin, Nestor, est-ce que tu sais chanter classique? Oui. Bien, alors tu te redresses et tu nous interprètes un morceau classique. D'accord. Je te donne mon cœur. Tu m'as rendu tout décousu. Beethoven. Non. Chopin. Non. Mozart. Non. Liszt. Non. Brahms. Non. Wagner. Non. Vivaldi. Non. Monsieur. Oui. Tu connais le morceau classique préféré de monsieur? Oui. Ah. Et quel est son morceau classique préféré? Ah, les gens ont un petit coup à la maison. Il y a du bleu, du blanc, du rouge, du saucisson, oui. Ah, les gens ont un petit coup à la maison. Comme si tu te croulerais dans les vitraux. Oh, Nestor! Ah, regarde-moi ça. Ta Weston. Ah non, non, ça c'est pas à moi. C'est pas à toi? Non. Alors c'est à qui? À monsieur là-bas. C'est à vous, monsieur? Ah, t'as pas été réformé? Non, non, moi je suis de son avis, c'est à toi, ça ressemble étrangement à la couleur de ton bec. Non. Si, la prof, tiens, lève-toi. Allez, saute, saute. Voilà. Et attention, je vais tomber. Comment ça, tu vas tomber? Oui, à l'envers. À l'envers, pardon. Voilà, j'ai failli aller chez le pédiatre. Un pingouin qui a mal à une patte ne va pas chez un pédiatre. Non. Non, il va chez Laure. Laure. Vous pouvez l'aider, hein. Chez Laure. D'accord. L'orthopédiste. Alors, quand on s'y croit, on souffle pas, toi. Chez l'orni. L'orni. L'ornithorynx. Alors, toi, t'es encore plus nul que moi. L'ornitho. L'ornithologue. Oui, on t'a soufflé, hein. Ça fait 600 francs. Allez, gamin. Bien, allez, tu vas pouvoir dire au revoir à tous nos amis. Non, 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 non. Bah pourquoi? Non, je veux pas leur dire au revoir. Pourquoi tu veux pas les quitter? Non. Oh, mais n'aie pas peur, tu vas les revoir demain. Vous revenez demain? Oui. Non. C'est vrai? Oui. Alors tu vois. Qu'est-ce qu'il a de monsieur? J'ai pas une drôle de tête. Une drôle de tête? Il a dit glisser sur les marches du cimetière. Moi, il suit toutes les conférences, alors. T'as une drôle de tête. T'as glissé combien de fois? Enfin, monsieur ne fait pas la tête. Mais si, il fait la tête, parce que c'est sa femme qui a glissé. Bon, enfin. Qu'est-ce qu'il y a? T'as trouvé un autre maintenant? Oui, mais monsieur là-bas derrière. Le monsieur là-bas derrière, mais qu'est-ce qu'il a? Mais il est bizarre. Il est bizarre? Il est un peu comme toi. Il est un peu comme moi? C'est-à-dire? Il est ventriloque. Il est ventriloque? Oui. Monsieur, vous êtes ventriloque? Non. Si, si, il est ventriloque, il est ventriloque. Comment peux-tu dire que monsieur est ventriloque? Parce qu'il a 600 marionnettes à côté de lui. Ça suffit, non? Tu dis au revoir. Non. Mais si. Au revoir. Madame, monsieur, David, Michel et Nestor, que l'on peut applaudir. David, Michel et Nestor. Eh bien, à présent, on va pousser le micro, pousser le tabouret, on va s'installer un petit peu, puisque nous allons essayer...